Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui une petite vidéo avec la classe de CAP première année boulanger. Ok, donc là on travaille sur beaucoup sur les bases, etc. Donc une des bases principales, après le façonnage, les étapes de la panif, ça va être la mise au four et surtout la scarification. Aujourd'hui une vidéo courte pour expliquer comment bien scarifier dans les règles de l'art. 10 boulangers, 10 façons de scarifier différentes. Ok, je vais vous présenter la mienne. Si vous trouvez autre chose en stage où on vous explique. Chacun a sa façon de signer le pain. Je vous rappelle, la scarif, c'est une signature. Donc, je vais mettre au four des bâtards de campagne et des baguettes. Et je vous montre ça en détail. Allez, on passe à la mise au four. Voilà, tu peux avancer. Alors, donc là, ma mise au four est terminée. Donc, je fais très attention. Dans ma mise au four, là, c'est surtout une mise au four pour la scarification. Il n'y a pas trop d'enjeux de cuisson, etc. Donc, je gérerai ma cuisson. J'ai quand même mis mes pièces à 500 g de campagne sur le bout. Mes baguettes, en bout de tapis, elles vont cuire beaucoup plus vite qu'une pièce de bâtard 500 g. La mise au four, je vais tamiser un petit peu tous mes campagnes pour avoir une belle scarification. Mes baguettes, je vais les laisser neutres comme ça. Quand je tamise, je tiens mon tamis toujours... Et c'est ma main droite ou gauche qui va venir taper, ok? Moi, je ne secoue jamais mon tamis. Comme ça, je vais être beaucoup plus régulier sur ma façon de faire. Alors, pour lamer, plusieurs solutions que je vous montre. Donc, vas-y, je te laisse fumer que les lames. J'ai fait une vidéo sur le comparatif entre les lames. On peut lamer soit avec des lames droites en inclinant beaucoup la main, soit avec des lames courbées. Tout ça, ça va dépendre de notre façon de faire. Pour mes bâtards de campagne, je vais lamer avec une lame droite. Je vous explique pourquoi. Donc, c'est ma lame qui va venir inciser le pain avec une petite inclinaison. Ok, donc... Je fais un coup simple, donc ça, bâtard, un coup de lame. Sur le deuxième, pareil, je vais venir inciser ma pâte. Donc là, ma pâte, une pâte de campagne, donc je vais l'inciser assez profondément. Coupe simple, coupe double, je vais faire aussi une coupe polka, on appelle ça. Donc coupe polka, je vais travailler avec ma lame bien à plat. Et dans l'autre sens. Donc là, je peux faire plus ou moins de carrés. Je vous remonte. Voilà. Donc ça, c'est une coupe polka. Ensuite, je vais vous montrer. Donc je travaille deux fois. Sur ce bâtard, je vais faire une coupe saucisson. Donc coupe saucisson. C'est un petit peu comme la polka, je ne vais pas m'arrêter, je vais toujours tirer la lame vers moi et je vais tenir ma lame bien à plat, droite. Je ne vais pas chercher à l'incliner. Donc coupe saucisson. Ok, simple, un petit peu comme le... Voilà comme on va trouver en bâtard, je vais vous en faire un deuxième. Et les deux derniers, je vais vous montrer une coupe épi. On appelle ça, donc ça va être une coupe chevron exactement le terme. Je vais séparer mon pain en milieu. Ok, je visualise la ligne du milieu. Et ensuite, je vais venir inciser le premier côté. Ma main va venir de l'autre côté et dans le même sens sur l'autre côté du pain. Ok, ça c'est une coupe chevron. Donc d'un côté... Et de l'autre côté, voilà. Là, c'est les coupes, les scarifications de base pour les campagnes. Concernant les baguettes, pour les baguettes, je vais prendre une lame courbée, moi, je préfère. Donc, pour les baguettes, donc ma lame, je la tiens bien en main. Mon index et mon majeur. Mon index et mon majeur d'un côté, mon pouce de l'autre. Donc, ma lame va glisser sur mon pain. Avec la première partie, ok? Donc là, c'est des baguettes qui vont être assez longues. Je vais faire 5 coups de lame. Je peux faire 5, 6. Le concept est le même.
Ok. Le but étant de garder comme si j'avais une ligne sur le dessus de mon pain. La fin de mon premier coup de lame va être le début de l'autre. Ok, donc je vais garder cette inclinaison. Je vais lamer plus ou moins profondément en fonction de la force de ma baguette. De l'autre côté, je peux aussi également venir lamer, je vais appeler ça à l'envers, c'est-à-dire en tirant. Ça va être en fonction du boulanger à venir ajuster. Et voilà mes scarifications simples. Je vais passer à la mise au four et on verra le résultat après. Un petit débrief, on a essayé de faire notre première vidéo donc avec les CAP première année. Donc voilà, on verra ce que ça donne, on va vous la partager. On verra si on en refait une un peu plus précise. Donc là, juste on a les baguettes qu'on a lamées des deux sens, ok, à gauche, à droite. Et voilà, les différentes scarifs qu'on peut voir sur des pains de campagne souvent, ou voilà, même des pains complets, ça va beaucoup se retrouver en pain complet. Surtout le chevron, coupe saucisson, coupe polka. Voilà, un coup de lame, deux coups de lame, c'est des bases, mais voilà, ça peut toujours servir. Allez, on vous partage ça et à bientôt sur Boulangerie Papa.